Salut à tous, aujourd'hui on est vendredi 10 mai, voilà le dernier jour des vacances. Sorti en compagnie de l'ami Bidouille, voilà, et bon on a essayé un bois là sur le bord de la route, mais putain c'est dégueulasse. Hein. Waouh, ouais, c'est de la broussaille partout là, et puis de temps en temps il y a un petit coin qui est un peu dégagé là, mais c'est galère, hein. Ouh, on va peut-être pas rester là. Hein. Bon, enfin bon, j'ai quand même fait un trou ici et ça se passe là. Bon, c'est nos éternels d'été pourri. Oh oui, pauvre bobo. Voilà. Bon, moi je sais pas, on va rester quelques minutes encore dans celui-là et je pense qu'on va se barrer. Hein. C'est assez galère. Voilà, il fait beau, il a plu toute la journée hier, donc on en profite aujourd'hui là. Allez, donc on est sorti des broussailles là-haut là. Et on a réussi à trouver un coin bien sympa là. Voilà. Super sympa à détecter. Bon, c'est un peu en pente, hein, mais bon. Puis dans ce trou, un son bien clair encore. Hein. Bon, c'est du cuivre hein, sûrement. Voilà. Les restes d'un denier tournois, je pense. Ouais, bon, je pense pas qu'il y ait grand chose à récupérer. Voilà. Allez, on continue. Alors la monnaie était là. Et puis en passant le détecteur là, juste à côté, nouveau son. Et ben, c'est sa petite sœur. Hein. Et dans le même état. Un peu plus épaisse, mais bon. Je pense qu'elle sera dans le même état. Voilà, allez. Alors sous cette branche là, j'ai été obligé de la déplacer. Là j'avais un beau son. Ça se passe là. Ah, c'est un reste de sidonier là, on voit encore un peu les. Ouais, mais alors. C'est bien lisse. Oh, on voit encore quelques détails. Hein. On voit bien que c'est un sidonier. Bien vert, hein, comme d'habitude là. Ils ont toujours de superbes patines ces monnaies là, mais bon, elles sont souvent bien lisses. Allez, on continue. Alors le sidonier était là. Puis en passant autour, j'ai fait un trou là. Il y avait cette monnaie dedans. Bon, encore un d'été rincé. Voilà. Et puis, j'ai refait un trou là. Ça se passe ici. C'est encore un reste de d'été. Hein. Voilà. Donc ça vaut le coup là. On va quadriller, je pense. Hein. Je vais reboucher ça là et puis je quadrille. Ah, plus. Alors bidouille à creuser là. Ça a l'air d'être un vieux chemin là, je pense, hein, le long là, on va peut-être quadriller un peu là. On vient d'aller beaucoup plus bas là, on a essayé, rien. Et puis ben voilà, en remontant dans ce trou, voilà, il y avait un double son, un peu pourri, un peu bien. Bon, c'est un vieux couteau, hein. Il a vraiment morflé, enfin vieux, non, pas si vieux que ça. Hein. C'est du plastique. Voilà. Et puis ben, je l'ai rejoint pour voir ce qu'il creusait. Et puis ben moi par contre dans ce trou, bon, le son était beaucoup plus aigu. Hein. Et ben, c'est une monnaie. Voilà. Alors vous dire quoi, oh, c'est un DT, ouais. Il y a quelques restes peut-être. Si ça veut tenir au nettoyage, il y aura peut-être moyen d'avoir quelque chose. Ah ouais, on voit des. Ah oui, on voit quand même pas mal de restes, ça sera intéressant. Et bien reboucher le trou. Voilà. Allez, on continue. Bon, alors qu'il commence à pleuvoir là,
J'espère que ça va pas durer. Hein. Et j'ai fait un petit trou là sur un son dégueulasse au début, mais bon, j'ai quand même voulu. J'ai fait le curieux étant donné que c'est très peu pollué. Et puis bon, c'est pas grand chose, hein, c'est un petit anneau là, je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas à quoi ça correspond. Voilà. Allez, bon. On s'est arrêté pour manger là. On a profité pour changer de bois hein, parce que l'autre, on était vraiment crevé là. C'est, ça montait, ça descendait. C'est vraiment fatigant. Et puis là, on s'est arrêté là sur le bord de la route. Et là, c'est bien plat. Mais bon, putain, je viens de faire un espèce de trou là. Voilà. Et puis, ben, il y avait trois monnaies. Ça a commencé par la. Ça, c'était une 2 francs en morlon. En alu. Et j'ai eu deux petites 5 centimes de nos anciens francs. Dans le même trou. Voilà. Allez, on continue. Bon, ben, une belle petite boursée là. Au milieu d'un chemin là. Voilà. On a creusé pas mal de trous là, tout autour là. Puis voilà le résultat. Bon, il y a un billon qui est lisse. Hein. Bon, le reste, ça doit être du liard de France, hein, je pense. Notre liard de France. Et ça doit être une Louis XIV là, une 4 sols ou un truc comme ça là. Voilà, en argent. Bon, elle est lisse, hein, c'est dommage. Petite blanche. Bon allez, on va continuer encore une petite heure là je pense, oui 3 heures ouais. Et puis voilà, bon bien sympa ces petites boursées là. Ah, ça remonte le moral par rapport à ce matin. Ouais, découvert par l'ami Bidouille là, sur le chemin là. Voilà, donc on s'est mis à deux, hein. Ça va plus vite. Allez, on continue. Bon, ben, Bidouille est en train de nous faire une deuxième boursée là. Celle-là déjà. Et puis je crois que ça sonne. Ça ressonne là déjà. Et puis ah. Si j'ai entendu là-bas non. Non non. Ah là oui. Voilà. Oh. Une autre. Et. Ça sonne encore là. Ah bah voyons, deux boursées à quoi, à un quart d'heure d'intervalle, même pas. La deuxième était ouais une vingtaine, trentaine de mètres un peu plus loin là. Oh. C'est bon ça. C'est bon. Hein. Ah c'est dedans encore. Ouais. Ouais, ça doit être sorti là, c'est bon. Ouais, c'est là. C'est dedans. Non. Ah. Ah oui, Michel appelle. Eh oui. Attends, on va enlever l'appel de là, déjà. Ouais. Ah, elle est là, hein. Elle est par là. Voilà. Tiens. Et une de plus. Voilà. Et. Et il y en a une autre. Il y en a encore une autre là. Ah non, c'est moi. Oh ben ça fait plaisir. Ah. Où es-tu? Elle est là. Oh oui, elle est là. Et une de plus. Bon, c'est bien pourri, hein, mais bon.
Petite boursette 4 pour l'instant. Oh, il y en a d'autres. Attends, ça c'est l'appel. Non, mais je crois qu'il y en a d'autres. Ah ouais, il y en a d'autres. Bon, je rallume à la fin. On va la scène du crime. Hein. Voilà. On est obligé de la bourrer là. Ouais, bon. Et chacun son coup de pelle. Voilà, chacun de son côté là. Et ça, petit coup de pelle. Donc Bidou, il nous a fait dans ce trou là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, battu. Oui, mais t'as pas la peine. Ah, ouais. Et juste à côté, il nous a fait ça. Hein. Juste à côté, il nous a fait ça. Voilà. Bon, deuxième boursée pour Bidouille. Hein. C'est superbe là. 21 monnaies là dans le même trou. Bon, c'est pourri. Hein, voilà. Et c'est marrant. Mais c'est marrant. Voilà. Ça. Ça remonte le moral un peu, c'est pas mal. Hein. Deux boursées à 30 mètres l'une de l'autre, quoi. Voilà. Bon, on va retourner vers la voiture tranquillement là, maintenant. Et peut-être à la prochaine boursée. Ouais, allez, à plus tard. Ah, je suis mort de rire. Bon, vous savez quoi? La dernière boursée était là, à peu près, derrière les arbres là-bas. L'autre d'avant était un peu plus loin là. Et Bidou est en train de nous en faire une autre là, juste là. Mais là, cette fois-ci, c'est du napo. Hein. Voilà, il y en a une là. Là. Ça va être un 10 centimes napo, et puis ça sort encore dans le trou. Non, j'ai sorti du trou. Ah ouais, c'est sorti, c'est là. Voilà, j'ai sorti de là. Encore une autre boursée pour Bidouille, c'est la troisième. Couillon. Ah, elle est là. Et voilà, ça va être le 5 centimes qui va avec, la petite sœur. Bon, mets un coup de détecteur là avant que j'éteigne. Non, parce que parti comme t'es parti aujourd'hui là. Ah, il y a encore un son. Bon, j'éteins. Hein. On verra ça quand on fera le point tout à l'heure. Allez, à plus tard. Ah ouais, ça sonne encore. Bon, allez. En quadrillant un peu autour, là. Je viens de faire un trou et puis, voilà, c'est une nouvelle monnaie. Elles sont bien bouffées hein, quand même. Hein. Oh là là là. Bon, c'est marrant, hein, mais il n'y a rien à récupérer, quoi. Voilà, bon allez, on quadrille 10 minutes encore et puis on s'en va. Allez, alors toujours sur le chemin du retour là. J'ai fait un trou encore. Bon, elle est pourrie. Hein. C'est une monnaie encore, mais. Voilà, enfin ce qu'il en reste. Ça attaque ici. Hein. Waouh. Voilà, Bidou est en train de creuser à côté là. Je vais attendre. Alors ouais. Ok, bon à toutes. Bon voilà, fin de la sortie. On est retourné à la voiture là, tranquillement. Et on y retournera. Hein. On y retournera, bon. Alors les trouvailles pour Bidouille. Bon, il y a 17 monnaies, hein, dont un petit billon là, qui est très lisse. Bon, il y a tout, hein, napo. Il y a beaucoup de lières de France, hein, je pense. Hein. Beaucoup de lières de France et de DT. Hein. Voilà un petit anneau. Peut-être un reste de boucle, je sais pas. La paire de ciseaux, là, nickel. Je sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à des ciseaux dans chirurgie au niveau médical. Ouais, peut-être, ouais. Putain, je sais pas ce qu'ils ont été foutés avec ça dans le bois. Enfin bon. Bon, de mon côté, il y en a 24, je crois. 25, avec la petite blanche là. Enfin, c'est dommage qu'elle soit quasi rincée. Bon, c'est pareil, hein, y a un peu de tout. Hein. Bon, la petite boursée avec l'alu et les deux là. Et puis, bon, tout le reste, c'est du liard et du DT. Ça, je sais pas ce que c'est, ça, c'est une. Euh,
Merde, une déco, là, il y a des pointes derrière, là. Une déco, je sais pas quoi, ouais. Bon, il y a un bouton, une agrafe de corset. Et puis, un petit anneau aussi, je sais pas ce que c'est. Peut-être un reste de boucle aussi. Voilà. Et que de la monnaie, on n'a pas fait vraiment d'objets. Et bon, on a fait énormément de balles à blanc, mais bon, c'est bon, je ramasse plus. Hein. J'en ai des pleins seaux à la maison, là, ça va maintenant. Voilà. Allez, bah écoutez, on sortira peut-être dimanche, là. On retournera peut-être dans le même coin dimanche, et puis on verra bien. Voilà. Bah, je vous souhaite à tous un bon week-end de détection. Et faites de bonnes trouvailles et au plaisir. Voilà, merci à tous les abonnés de ma chaîne pour les commentaires, là c'est bien sympa. Et coucou au forum détection Poitou-Charentes. Un petit coucou à tous les potos du forum. Allez, à plus.